Bonsoir. Merci d'être venu. J'espère que vous ne regretterez pas d'être venu. Enfin, je veux dire, j'espère que vous ne le regretterez pas autant que je le regrette moi-même. Je veux dire qu'en ce qui me concerne, j'aimerais mieux être ailleurs parce que j'ai pas envie de rire et j'ai pas envie de vous faire rire. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si ça se voit sur mon visage, mais je m'emmerde profondément. Et puis je me sens un petit peu gêné d'être ici, debout comme un con, devant vous qui êtes là, assis comme des... Ayant reçu une éducation bourgeoise, discrète et feutrée, au cours de laquelle m'ont été conjointement inculqués le respect des bonnes manières et le mépris de toutes les formes de vulgarité, vous comprendrez aisément ce qu'il peut y avoir d'humiliant pour moi dans le fait de m'exhiber ainsi, devant un parterre de zozos plus ou moins rigolards, dont la plupart, si ça se trouve, ne sont même pas de mon milieu. Et puis pour rien arranger, j'ai horreur qu'on m'applaudisse. Je vous dis tout de suite. Allez, je vous en prie. J'ai vraiment horreur de ça. Mais est-ce que vous tapez dans vos mains comme des cons, là? Vous êtes déjà demandé à quoi ça correspondait, que cette expression de quoi, de taper dans ses mains comme ça? Eh bien, l'applaudissement, c'est jamais qu'une manifestation complètement instinctive du système nerveux cérébro-spinal. Manifestation par laquelle le chimpanzé ou la ménagère manifestent leur joie frénétique incontrôlée à la vue d'une banane ou de Julio Iglesias. Et vice-versa. Ta gueule, Tarzan. Non, mais moi, à la seule idée que vous pourriez m'applaudir, j'ai honte pour vous, vraiment. C'est pas Tarzan, c'est le singe. Enfin bon, vraiment, j'ai tellement honte pour vous que je crois que le plus raisonnable maintenant pour moi, ce serait que je m'en aille. Oui, je vais m'en aller. Merci de me le suggérer. Je pense que je vais aller me détruire. D'ailleurs, il est beaucoup trop tard maintenant pour aller draguer au rayon lingerie des nouvelles galeries. Non, mais encore une fois, croyez bien que je regrette de devoir en arriver à cette extrémité, mais je ne vous aime pas. Je voudrais bien vous aimer, mais je ne peux pas. Je suis trop différent, enfin. Hein? Oui. Vous marrez, mais je vais vraiment me détruire. Hein. D'abord, j'aime beaucoup la mort. Et puis, je suis un homme fini. Oui. Je suis entré dans l'âge mûr, et l'âge mûr, par définition, c'est l'âge qui précède l'âge pourri. Si, intellectuellement, artistiquement, scientifiquement, physiquement même, je sens bien que je baisse. Tenez, sur le plan artistique, par exemple, quand les mômes me parlent de rock, j'arrive plus à suivre. C'est bien simple, depuis la mort de Georges Guitari, j'écoute plus de musique, je veux dire. Eh, hey, connard, ça va pas tarder, de toute façon, m'emmerdez pas. Gay. Sur le plan scientifique, c'est pas mieux, je suis complètement largué également. Là, comme vous me voyez, je suis incapable de reconnaître un rayon laser d'une corde à linge ordinaire. Ou un chien qui pète d'un avion qui renifle. Et pourtant, la science, c'est pas de la merde, hein. Le savant le sait bien, lui, que sans la science, l'homme ne serait jamais qu'un stupide animal sottement occupé à s'adonner aux vains plaisirs de l'amour dans les folles prairies de l'insouciance. Alors que la science, et la science seule, a su lui apporter patiemment, au fil des siècles, le parcmètre automatique et l'horloge pointeuse, sans lesquels il n'est pas de bonheur terrestre possible.
C'est quand même grâce au progrès fantastique de la science que maintenant, on peut aller en moins de 3 heures de Moscou à Varsovie, par exemple. Et s'il n'y avait pas la science ? Malheureux cloporte boursouflé d'ingratitude aveugle et d'ignorance crasse. S'il n'y avait pas la science, combien d'entre nous pourraient profiter de leur cancer pendant plus de 5 ans ? Et n'est-ce pas le triomphe absolu de la science que d'avoir permis qu'aujourd'hui, sur la seule décision d'un vieillard californien de plus en plus impuissant, ou d'un fossile, lui il est encore plus impuissant, élu que pas élu, ou sur la décision d'un fossile ukrainien complètement gâteux, est-ce que c'est pas incroyable de penser que l'homme peut faire sauter sa planète en une seconde, en moins d'une seconde, il peut faire sauter sa planète 40 fois, sans bouger les oreilles? Voyez-vous, toi je te fais pipi sur la tête si tu continues à m'emmerder. Les Mongoliens, c'est en matinée demain. Pour en revenir à la science, voyez-vous, c'est pas moi qui le dis, c'est Fucius. Eh bien. Ouais, bah croyez-moi, il avait oublié d'être con. Et Fucius disait, une civilisation sans la science, c'est aussi absurde qu'un poisson sans bicyclette. Physiquement, alors, c'est le délabrement, c'est pire que tout. Je sens bien depuis quelque temps que je m'essouffle beaucoup trop bruyamment dans certains escaliers trop raides ou dans certaines femmes trop molles. Ah oui, je baisse, voilà, je baisse. Et je dis, c'est plus vivable. Autant en finir, hein. Bon, simplement, l'incontinence sexuelle des deux filles de Monaco depuis la mort de leur mère en bagnole. L'agonie de Saint-Étienne, le courage des Polonais, le déclin de l'Occident, le fibrome d'Annie Girardot, non, non, le contraire. La montée de la violence dans les quartiers cosmopolites, ça les amuse également. Et puis, bien sûr, l'indiscipline problématique de l'arrêt de mon quoi ? Mais non, de l'arrêt de mon crâne. Obsédé. Et j'allais oublier les oscillations du thermomètre. Source inépuisable de commentaires météorologiques vibrants d'incompétence, mais très répandus dans les milieux capillicoles. Bah oui, capillicoles, du latin capillaris, hein, ça, capillaris, capilla, le poil, et iris, on s'en fout finalement. En tout cas, vous savez qu'on ne doit pas dire « je vais au coiffeur ». Vous savez ça, tout le monde sait ça. Hein. On doit dire « je vais au capilliculteur ». Sinon, on est vulgaire. J'ai même vu une enseigne de capilliculteurs biocosméticiens. La biocosmétique regroupant vraisemblablement l'ensemble des techniques capillicoles consistant à enduire de vaseline l'arrêt de mon quoi ? L'arrêt, une fois de plus, de mon crâne. Merci. Et en nocturne, s'il vous plaît. Comme le son et lumière à Chambord. Ah oui, parce que maintenant, on ne va plus se faire couper les tifs après la bouffe. L'on se rend en consultation de capilliculture biocosméticienne en nocturne. Eh les merlans, vous croyez pas que vous pétez plus haut que la vôtre de raie ? Allons, femme de France, dijonneuse, dijonneux, nom de Dieu.
Tout à l'heure, je vous suppliais de ne plus marcher dans la mode. Maintenant, je vous en conjure. N'allez plus jamais chez le coiffeur, les filles, enfin. Écoutez-moi, les filles. N'allez plus chez le coiffeur, ça sert strictement à rien. Les Russes arrivent. Dans un mois, si tout va bien et si le temps le permet, c'est la guerre. Et dans 5 ans, eh bien dans 5 ans, c'est la libération. Que n'attendez-vous jusque-là pour vous faire tondre? Bon, dites-moi, j'y faisais déjà allusion au début, mais vous n'écoutiez déjà pas, alors je vais me répéter. Vous êtes ridicule assis comme ça. Non, mais c'est pas de votre faute. Mais... Non, regardez-vous les uns les autres, vous êtes grotesques posés comme ça sur votre cul. Enfin, c'est pas de votre faute, c'est la position assise qui est grotesque, vous voyez. Comparé à la position debout, par exemple. Non, mais, écoutez, quand je pense à tout ce qu'on peut faire d'intéressant avec des fesses, alors que vous en êtes réduit à stagner, là, bêtement, bien rangé, bien carré, bien propre, les petites cuisses bien droites, bien parallèles, les petits pieds-pieds bien à plat sur la moquette. Peu d'animaux s'abaissent jusqu'à s'asseoir. Le hibou se perche. La chauve-souris se pend. Le serpent se love. Le hamster. Là, j'ai honte, là. C'est Hugo qui disait que les calembours, c'est des pets de l'esprit. Je me demande s'il n'y avait pas un peu raison. Là, je recommence. Hein. Pouf, pouf. C'est trop horrible. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, le hibou se perche. Hein, la chauve-souris se pend. Le serpent se love. La rat se casse. Le cheval se couche. Le soleil se lève. L'homme s'assoit, voilà. À part le chat et le chien, créatures stupides qui poussent parfois la veulerie jusqu'à tolérer dans leur sillage des employés de banque. Dont ils lèchent la main. Quand ce n'est pas la femme. Peu d'animaux, je le répète, s'abaissent jusqu'à s'asseoir. Et encore, on dit le chien. Mais le chien n'est jamais véritablement assis. Ah non, assis, assis, non. Le chien s'appuie sur ses pattes de devant, dans une position relativement élégante. Alors que je suis désolé, mais l'employé de banque, non. Non. Tenez, le professeur Konrad Lorenz, humaniste scientifique et grand ami des bêtes, qui a partagé son existence entre l'étude du comportement sociologique animal et les cuites à la Canter Brown. Eh bien, le professeur Lorenz l'a très bien vérifié lui-même dans son laboratoire bavarois, ce que je suis en train de vous dire là. Non, non, sérieusement, d'ailleurs si vous voulez, vous pouvez refaire l'expérience chez vous, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir sous la main quelques épagnols bretons et quelques employés de banque. Là, je peux vous refaire grossièrement le schéma de cette expérience, vous allez voir, c'est très clair. Voilà. Si nous asseyons, vous notez, hein. Si nous asseyons côte à côte, oui, c'est important que ce soit côte à côte pour comparer, quoi. Si nous asseyons côte à côte un employé de banque que nous appellerons A, mais quoi, elle est folle, elle? Non, mais qu'est-ce que j'ai dit, là? C'est pas... Non, mais... parce que j'ai dit qu'un employé de banque s'appelle A.
Non, mais non, vous vous barrez les autres. Eh, non, mais on s'en fout du nom de l'emploi de banque. C'est pas ça qui compte. Hein. C'est J.A. comme un point A, vous voyez. Non, vous êtes allé à l'école quelques jours dans votre existence. Ça n'est jamais qu'un symbole. Hein. C'est tout, oui. Ça pourrait s'appeler autrement. Voilà. Non, ne m'interrompez plus, parce que vous savez, je suis plutôt littéraire que scientifique. J'ai quelques peines à suivre ce raisonnement moi-même. Non, c'est gentil. Alors, je recommence. Pouf, pouf. Alors, si nous asseyons côte à côte un employé de banque que nous appellerons A, et un épagnol breton que nous appellerons Catherine. Mais quoi ? En hommage à Catherine de Médicis, qui était pas mal poilue, elle aussi. Et si nous disons « Oh les mains », qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si nous disons « Oh les mains », seul l'épagnol breton se casse la gueule. L'employé de banque, pour sa part, reste assis. Dans cette posture niaise qui est présentement la vôtre, et cela jusqu'à ce que l'agresseur se tire avec la caisse, ce que je ne vais plus tarder à faire moi-même maintenant. Non, parce que ça, quand même, ça fait plus d'une heure et demie que je supporte vos conneries, alors va peut-être falloir commencer à penser à y aller, hein. Faut que j'arrête d'imiter Bedos, ça finira par se voir. Non mais oh, il va falloir y aller, oh. Hein? Comme disait Jean-Paul Sartre en sortant du lit d'Elsa Triolet. C'est pas que je m'emmerde, mais il est tard! Moi je dirais plutôt comme Elsa Triolet sortant du lit d'Aragon. C'est pas qu'il est tard, mais... Bon, simplement, avant de quitter cette scène qui est mon lieu de travail et où, grâce à vous, j'ai la chance de gagner ma vie, je voudrais qu'on ait ensemble une petite pensée pour ceux de mes camarades du spectacle qui n'ont actuellement aucun travail sous prétexte qu'ils n'ont aucun talent. Merci pour eux. Enfin, à l'intention de ceux d'entre vous qui, comme moi, ont somnolé un petit peu ce soir, qui auraient préféré être ailleurs, comme moi également, mais qui, comme moi également, vont maintenant être un petit peu obligés d'essayer de prouver à leur conjoint qu'ils étaient bien ici ce soir. À l'intention de tout cela, voici pour terminer vraiment, et je crois pour la première fois sur une scène, parce qu'il me semble que personne avant moi avait osé, voici pour terminer vraiment le résumé du spectacle. Alors, en gros, d'abord, nous pouvons dire que ce spectacle est un cri de haine désespéré où perce néanmoins une certaine tendresse. Je sais qu'il y a des journalistes dans la salle, je leur signale que tendresse est avec deux S. Au début du spectacle, l'auteur-interprète se demande ce qu'il fout là, vous vous rappelez? Le public aussi. Et nous noterons au passage qu'une telle communion de pensée entre l'artiste et son public est rarement atteinte au théâtre où, la plupart du temps, le public est le seul à s'emmerder. Par la suite et jusqu'à la fin du spectacle,
L'auteur-interprète ne cessera d'afficher un mépris surprenant pour ce merveilleux métier de saltimbanque qui permet à l'homme de laisser éclater enfin l'éblouissante créativité fantasmatique de son égo profond, trop souvent engourdi dans les méandres sournois d'un quotidien démobilisateur dont on ne saurait taire plus longtemps l'infinie détresse, avec deux S également. Après avoir caché difficilement son amour des hommes sous un débordement de sarcasme visant à discréditer successivement la résistance française, la bouillabaisse et les grabataires, l'auteur-interprète, très ému finalement, cache difficilement sa pudeur en montrant sa bite. Dont il narre les coups de boutoir avec une drôlerie féroce, mais aussi un érotisme trouble qui n'est pas sans évoquer Monsieur Louis le Prince Ringuet, si ses oreilles étaient des couilles. Prenant prétexte d'une allergie au coiffeur, dont l'humour lui semble voler à l'altitude d'un Boeing 747 sud-coréen après le passage des MiG, l'auteur-interprète, de plus en plus ému, cache difficilement son amour de la capilliculture sous un flot de haine verbale insensée contre cette honorable corporation des coiffeurs au sein de laquelle, après tout, hein, il n'y a pas plus de confrisés que chez les esthéticiennes. Enfin, à court d'idées et à bout de souffle, l'auteur-interprète vachement gonflé termine en faisant le résumé de son spectacle, dis donc. Et puis, quand même, il s'en va, d'un pas mal assuré, en cachant tant bien que mal, sous les dehors glacés d'un cynisme à la mode, la vraie joie qu'il a eue d'avoir été avec vous ce soir. Juste un détail, non, une collation va être servie maintenant dans ma loge, mais que pour moi, donc c'est pas la peine. Je voudrais aussi remercier Gilles et Julio qui me font le son et lumière. Je voudrais remercier les gens des Faire 3 Dijon qui sont extraordinaires, qui sont sympas. Je voudrais remercier mon copain Jean-Louis Fournier, qui réalise ça pour la télévision et qui faisait Cyclopède. Autant vous dire que c'est un con. Je vais remercier chaleureusement Francis Moulin pour son accueil à Quétigny. Et puis, ça fait beaucoup de gens, hein. Non, mais j'aime pas remercier d'habitude, ça m'énerve. Mais là, ils sont vraiment tous sympas. Et puis, je voulais, pour terminer, préciser un détail qui a son importance. C'est que la chorégraphie et les cascades de ce spectacle... La chorégraphie, les cascades de ce spectacle
sont de Guy Bedos, qui est mon copain. Voilà, je voulais vous le dire. Bonsoir. Merci.